Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens vous faire une petite revue sur la palette de chez Kiko. Voilà, celle-ci. Alors la Color Impact. Et voilà. 03. De toute façon, vous la verrez mieux en photo puisque là, effectivement, si j'éclaire, regardez. Je pense pas qu'on y voit grand-chose et d'ailleurs, ça vous éblouit. Hop, voilà, et avec le temps tout pourri, j'ai une lumière d'allumée ici, donc on voit plutôt bien ma face, mais plutôt ça, on le voit pas terrible, surtout que c'est un plastique, voilà, qui reflète un petit peu. Donc je vous montre la palette, elle est comme ceci, moi j'ai craqué dessus pendant les soldes, elle était à 5 euros, donc que demande le peuple? Je vous ai fait 5 looks avec, dont celui d'aujourd'hui. Je vous avoue franchement, je suis pas fan. Voilà, il y a des fards magnifiques comme celui-ci. Celui-ci, il est voilà, tout brillant. On va essayer de voir si avec la lumière, on les voit mieux. Pas du tout. Voilà, il est aussi bien, enfin il est aussi beau là que le rendu sur la face. Voilà, bon bah celui-ci est plutôt bien pigmenté aussi. Après voilà, je trouve que celui-ci ne me va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Voilà, j'aime, enfin en tout cas moi ils ne me conviennent pas. J'arrive pas à travailler comme je veux. J'ai l'impression que ça me fait des cocards et après je suis obligée de démaquiller. C'est voilà, moi elle me plaît pas. Je suis pas fan, donc je suis contente de l'avoir eue pour 5 euros. Ça m'a permis de la tester. Parce que je crois qu'à la base elles sont quand même vendues 14 euros ou 16 euros, un truc comme ça. En même temps, heureusement que j'avais pas le choix, qu'il n'y avait que celle-ci, parce que je pense que j'en aurais pris plusieurs et bon, peut-être que par chance, une des autres m'aurait convenu. Mais voilà, donc je pense que j'ai testé les trucs Kiko. Je vais rester avec mes fards que j'avais dépotés dans ma palette. Je dis ça, mais je suis sûre que l'été prochain ou même cet hiver, s'il y a une palette en solde, je vais craquer dessus et je vais prendre. En tout cas, celle-ci, voilà, je suis contente. Je l'ai eue à 5 euros. Je l'ai testée, je vous ai fait 5 looks avec. Je vais la donner. Je ne sais pas encore à qui. Je verrai après en fonction du colis si je la file à Emma ou si je la file à Mélanie. Surprise les filles. Elle va aller dans mes Burks du mois d'août. Voilà. J'ai vraiment pas aimé. Je me suis pas amusée avec. Voilà. Je me suis même forcée à venir faire des looks parce que là, vous voyez, je suis chez mes parents. Je suis revenue là plusieurs fois dans la semaine pour faire le ménage complet parce que vu que Dolly est chez mes parents, du coup, j'en profite. Chaque fois, elle bouffe l'aspirateur, elle bouffe le balai, elle bouffe la serpillière et tout ça. Donc, j'en ai profité tant qu'elle n'était pas là pour faire le grand ménage à fond, la poussière en bougeant les meubles, en enlevant la housse du canapé, mettre la housse du canapé à laver, en changeant les draps, en faisant tout, nettoyer les tapis et autres, faire les carreaux, l'aspirateur et tout le tralala, pendant qu'elle n'était pas là, voilà. Et donc, ce qui fait qu'à chaque fois, je venais ici pas maquillée et donc je me maquille avec ça. Parce que j'ai amené une autre palette chez mes parents, mais en ce moment j'ai un peu la flemme de me maquiller. Je pense que c'est le temps qui fait ça aussi. Le temps est moche, c'est déprimant. On est au mois d'août là, on est le 14 août, il fait 19 degrés. Bouh. Puis en plus il va bientôt pleuvoir là. Bouh. Enfin bref, le sujet était cette palette-ci. Donc en tout cas en ce qui me concerne, je ne me suis pas du tout amusée avec. Donc je vous laisse avec une musique de circonstance. Avec les 5 looks voilà, que je vous ai fait, j'ai essayé d'exploiter au maximum, mais voilà. Bon, il y a 6 fards, ils sont plutôt jolis, ils se marient quand même assez bien entre eux. Mais j'ai trouvé que c'était poudreux, j'ai trouvé que la pigmentation était plutôt irrégulière par rapport aux fards. Voilà, il y en a certains qui sont bien pigmentés, d'autres non. On s'attend à ce que le foncé pète, et puis au final, il faut en mettre 50 couches pour que ça se voie. Donc moi, j'aime pas. Voilà, je suis bien contente de l'avoir eu à 5 euros, et puis je vais en faire profiter quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye tout le monde!